Je suis né le 6 août 1908 dans le canton Windsor, en banlieue de la ville de Windsor. Issu d'une famille de 14 enfants, dont 9 ont resté vivants. Vous êtes encore des frères vivants? J'ai encore 3 frères. Silvio, Roland. On est encore 3 frères, Silvio, Roland et Donna. Mon principal emploi a été le travail toujours pour le gouvernement provincial du Québec. Mon premier emploi a été au mois de juillet 1926. J'ai toujours continué à travailler pour le même employeur. Jusqu'à quel âge tu es resté à vivre avec ta famille? Je suis resté à vivre avec ma famille jusqu'à l'âge de 14 ans et demi. Jusqu'à 14 ans, tu restes à vivre avec eux. Là, de là, je suis allé à un emploi avec un de mes oncles, qui était mon parrain. Allé jusqu'en 1926. Ben, c'est ton oncle qui t'a trouvé ton travail avec le gouvernement? Non. Non, c'est mon père qui était inspecteur des travaux, que par la maladie est décédé. Le 20 novembre 1927, c'est là que c'est moi qui l'ai remplacé. C'est comme ça que j'ai eu la position du provincial. Mais qu'est-ce que c'était ça, le travail de cantonnier? Qu'est-ce que tu devais dire? J'étais comme inspecteur des travaux sur les routes. Dans la municipalité du canton de Windsor. Ah, toute la région de Windsor. Oui, tout le canton de Windsor. Après ça, j'ai monté les échelons. je suis né cantonnier chef en 1957, dans tout le comté de Richmond. Et de là, je suis venu inspecteur. Ben, Richmond, ça comprenait? Qu'est-ce que ça... Tout le comté de Richmond. Tout, jusqu'à Sa paroisse qui représentait le comté. Ensuite, je suis venu inspecteur des travaux sur la Transcanadienne de Montréal-Québec. Ah ouais? En 1960. De là, je suis venu et j'ai été demandé pour diriger l'entretien de l'autoroute des cantons de l'Est en 64, le 22 décembre 1964. On a fait l'ouverture officielle. Ça, c'était ton dernier emploi, celui de... J'ai occupé le surintendant. J'étais surintendant de l'autoroute durant 5 ans, les 5 dernières années. Et c'est là que j'ai pris ma pension en 70. Tu étais encore jeune, là. J'avais 61 ans et 7 mois. Ah. Et de là, j'étais à ma pension depuis ce temps-là. 22 ans. Ta famille, comment ça, c'est tout ton travail. Tu nous as expliqué un peu tout ton travail dans ta vie quand tu as commencé à 14 ans. Du côté de ta famille personnelle, là, avec grand-maman, puis tout ça, quand oh, ça ben, a commencé. Grand-maman, ben, le mariage. Oui. Ah. On s'est marié le 19 septembre 1932. T'étais déjà cantonnier. J'ai fait notre voyage de noces en Gaspésie. Parce qu'elle était de la Gaspésie, grand-maman. C'est-à-dire, non. Elle avait été faire la classe, puis dans un moment, à Natasquan, sur la basse Côte-Nord. Ah. Quand elle est revenue de la Côte-Nord, ben là, en 1932, on s'est mariés à l'autre. Elle est revenue au mois de juin, puis on s'est mariés au mois de septembre. Et après ça, il est arrivé, le 2 juillet, 1933, la naissance du guet. Après que j'ai appris mon mariage, j'avais acheté une propriété à Windsor, puis on restait à Windsor, ouais. Dans la ville. Là, ça continue. Là. Ça continue. Puis, après ça, ben, 3 ans et demi après, la naissance de Claire, ouais. Le 7 décembre.
Tiens. Ah, on avait dit. Ouais. Venu au monde le 7 de décembre 1936. Claire, la deuxième des filles. Maman, comment elle était quand elle était toute jeune? Maman, c'est un gros bébé. Un gros bébé? Elle était aussi large comme nous. Je ne me rappelle pas comment elle se capillait à 6 mois, c'était effrayant, c'était gros. Elle avait des cuisses grosses de même. Ah oui, une grosse fille. T'as fait des beaux cheveux blonds frisés. À 2 ans, là, il faisait des boudins, là, beaux grands boudins, ça de long. Là. Ouais. Une belle, belle fille, un bien beau bébé. Ouais. Claire aussi, c'est un beau bébé, mais elle était brune, plutôt. Brune. La troisième, ben, Suzanne, elle est venue au monde, elle, 11 ans plus après ça. Une blonde, ça aussi. Oui, un beau bébé blond aussi. Ouais. Ouais. 11 ans, ça fait l'année, ça 11 ans avec 36, pas 47. Ouais. Hein? Oui. 1947. À Windsor, vous étiez encore? Encore dans la ville. On a toujours été dans la ville de Windsor, à venir jusqu'en 54. Quand j'ai pris l'autoroute là, en charge, là, j'ai déménagé à Sherbrooke. À 1460 Desjardins, Sherbrooke, en 1954. Et de là, depuis cette date-là, j'ai toujours demeuré à Sherbrooke. Ah, ben oui. Ouais. Bon. C'était fait pour le pedigree de la famille. Des filles. Ouais. C'est ça que tu veux savoir. C'est ça que vous voulez savoir.